La carterie créative d'Audrey. On tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et je vous propose de me retrouver tous les mercredis et les samedis matins à 8h, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, blog. Je fais un petit peu Pinterest, mais vite fait. Pour des vidéos, en fait, tutoriels de scrapbooking. Dans mes vidéos, ce sont que des vidéos enregistrées qui restent disponibles sur les différents réseaux. Il n'y a pas de live. Je ne fais pas de live parce qu'en fait, je suis aussi infirmière de bloc. Donc, je n'ai pas un planning régulier. Je ne peux donc pas vous donner un rendez-vous régulier hebdomadaire de live. C'est pas possible pour moi. Donc, dans mes vidéos, en fait, je vous propose des tutoriels de scrapbooking. Alors, parfois, des cartes un petit peu plus compliquées, un petit peu pop-up, etc. Ou des cartes toutes simples. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour faire de magnifiques cartes, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes, pour... voilà, toutes les occasions sont bonnes pour faire des cartes. Donc, je suis spécialisée sur les cartes, évidemment. C'est ma passion, c'est mon plaisir, mon loisir. Et c'est ce que je vous propose, ce que je vous partage. Voilà, mes vidéos sont gratuites, tout est accès libre. Évidemment, pas de soucis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, vous avez besoin du tutoriel écrit ou autre, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Je vous les donne sans problème, il n'y a pas de souci. Dans mes vidéos, vous trouverez beaucoup et surtout que du matériel Stampin' Up. Pourquoi? Parce que je suis démonstratrice indépendante chez eux, évidemment. Donc, je vous parle souvent du lien de la boutique en ligne. Sachez que sur cette boutique, vous pouvez acheter, bien sûr, le matériel Stampin' Up qui est présenté. Faut compter 5 jours de livraison en jour ouvré et 5,95€ de frais de port. Vous pouvez aussi consulter les catalogues. Ils sont disponibles, en fait, sur la boutique en ligne. Donc, vous les consultez simplement, ils sont gratuits. Donc, vous les téléchargez, vous pouvez les regarder. Et vous pouvez aussi me rejoindre. Parce qu'en fait, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc j'ai un métier à côté. Et si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire sans problème, rejoindre mon équipe. Donc moi, j'accepte d'être votre marraine et de vous coacher, de vous expliquer les choses, comment ça marche, etc. On a une équipe qui s'appelle l'équipage créatif. C'est pour l'instant, je n'ai pas d'hommes dans mon équipe, c'est que des nanas. Elles sont absolument géniales. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous amuser avec nous, partager toujours dans la bienveillance, eh ben, vous cliquez dans la boutique en ligne et vous allez sur « Me rejoindre ». Voilà. Donc maintenant, place au scrap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui va être un peu longue. Donc elle sera coupée, évidemment, parce qu'on a pas mal de travail à faire. J'ai pour objectif de venir faire une boîte de chocolat. Donc là, je suis allée chez Léonidas et j'ai juste récupéré, vous voyez, ces petits, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est pas des mendiants, mais c'est des petits, je sais plus quoi. Bref, des petits chocolats tout simples comme ça, emballés, ok? Donc mon objectif, c'est de faire une boîte avec l'Alphabest et ceci, de venir emballer les chocolats, on va faire par deux, je pense qu'on en a assez, de venir les emballer et de venir mettre une lettre pour écrire le message « Joyeux Noël ». Ok, et de faire évidemment l'emballage qui va bien autour. Donc pas mal de taf, comme je vous ai dit. Donc, je commence tout de A à Z avec vous. Je n'ai rien fait en avance. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les démarches de cette création. Ok. Donc, mes petits chocolats. Donc, Joyeux Noël. Donc, J, O, Y, E, U, X, J, O, Y, E, U, X, et Noël, N, O, E, et L. Voilà, donc là ça va, déjà j'ai assez de chocolat, c'est quand même la première des choses. Voilà. N-O-E-L, parfait. Donc là, si je fais une boîte rectangle, on va venir compléter ici et là. Donc je me rajoute encore deux tas comme ça. Donc je mets deux épaisseurs de chocolat. Voilà. Voilà, juste pour... Voilà, ce sera un petit peu le plan, d'accord? Donc là, on va avoir plusieurs choses à faire. Alors ça, on ramasse. C'est bien, j'ai du rab, regardez, je vais pouvoir grignoter un peu. Alors, je vais déjà peut-être choisir mes chocolats. Mais c'est pour mes parents, et mes parents n'aiment pas le chocolat blanc. Donc, on va peut-être virer déjà tous les blancs.
Il n'y en a plus d'autres. Encore un là. Ok, on va remplacer ça. Alors ça, oui. On va mettre des différents dans chaque tas. Voilà. Là. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Ça. Et ça, J-O-Y-E-U-X. Donc là en dessous, comme ça. Comme ça. Là, on a viré tous les blancs. Donc les blancs, ce sera pour la maison. On va mettre ceux-là. Hop, ça. Et ah, il me reste deux laits, c'est dommage. Toc, toc, toc. On va mettre un lait ici et là ici. Très bien. J-O-Y-E-U-X-N-O-E-L. Bon, voilà, on y est. Et du coup, bah, il me reste plus que des chocolats blancs. Bon, ça c'est réglé. Première des choses. Ensuite, donc j'ai dit que je voulais les emballer individuellement. D'accord ? Donc là, du coup, suivant ma bonne vieille technique, on se prend de quoi noter. Bah, on le notera ici d'ailleurs. Hop, un petit crayon, c'est très bien. Donc ici, je prends, vous savez, chez Stampin' Up, donc notre papier de bureau, il est en centimètres. Et ça, c'est vraiment trop génial. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup ça. Donc ici, on a ici 3,5 cm. Alors, j'ai pas envie de me mettre beaucoup de marge. On est vraiment pile poil à 3,5. Hein. Bon allez, on va essayer comme ça. 3,5 cm, donc je note. Sur 3,5 cm, bon ça c'est facile, c'est un carré. Et en épaisseur, on a... Donc je mets comme ça, donc deux emballages. Et là, pour le coup, je me mettrai peut-être un peu de marge, effectivement. Alors, je pense qu'on est près de 1 cm. Et là, pour le coup, je vais mettre 1,5 d'épaisseur, d'accord? On va voir ce que ça donne. De toute façon, il faut essayer. Alors, tout ça, on va les pousser. Est-ce que je vais pouvoir les garder bien en hauteur? Voilà. Donc, sur 1,5 d'épaisseur. Donc là, du coup, mon plan, ça va être quoi? Ça va être de me dire, donc, mes petits emballages. Donc, 3,5 de hauteur, d'accord? Ici, on a dit qu'on avait du 1,5. Donc, si je fais 1 et 1, on va rester sur du 1,5. Allez, on va essayer de faire les choses bien. 1,5 et 1,5 en hauteur, d'accord? Donc, 1,5, 3,5, 1,5, d'accord? En épaisseur, on a dit donc 3,5 ma face, hop là, voilà, donc 3,5 mon épaisseur, on a dit 1,5 1,5 la deuxième face 3,5 re mon épaisseur 1,5. Et de quoi fermer ma boîte, on va se dire 1 cm. D'accord? Voilà. Hop et hop. Donc là, au total, cela me fait. Hop. Donc 3,5 plus 1,5 plus 3,5 plus 1,5 plus 1. Ça me fait du 11 cm par. Donc 1,5 plus 3,5 plus 1,5, ça fait du 6,5. 6,5 cm. Alors, on va essayer ça déjà. Hop. Alors, je vais me prendre, donc je vais partir sur une couleur bien Noël. On va se prendre, allez, du rouge. Du rouge. On va même prendre... On va pas prendre juste du rouge, on va prendre du cerise carmin. Non, on va prendre du rouge. On va prendre... Allez, on va prendre du rouge. On va ouvrir ceci. C'est un nouveau paquet. Voilà, donc je vous ai prévenu, une vidéo un peu longue.
Mais encore une fois, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment toute la démarche. Hop. Donc là, rouge, rouge. Alors, je me prends juste une feuille. Donc, on a dit 11 par 6, 5. Donc, 11 cm par 6,5. Hop, là, je vois déjà que j'ai de quoi en faire plusieurs. Donc, j'en fais déjà un deuxième. Et certainement un troisième. Parfait. Bien. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a dit dans le sens de la longueur, donc je reprends mon plan, hein, vraiment, je plie à 3,5, je rajoute 1,5, donc ça me fait 5, et encore 3,5, donc 1, 2, 3, donc on est à 8,5, et 1,5, cela me fait 10. Et il me reste mon 1 cm de bordure. D'accord? Hop, 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 et hop. On va faire donc les deux côtés. Donc là, on a 1,5 de chaque côté. Donc là, je viens de ce côté-là. Je me prends 1,5. Je plie. On va même prendre 1,4. Allez, 1,4. Hop, comme ça on est un tout petit peu plus large pour l'épaisseur de mon... Voilà, 1,4, 1,4. Voilà, là on va être bien je pense. Alors voyons ce que ça donne. Je marque tous mes plis. Ben, ceux-là étaient tous marqués. Très bien. Donc, hop, je prends donc deux chocolats. Je les mets dedans et je vois si mon affaire tient la route. Ça tient parfaitement la route, c'est nickel. Donc là, du coup, colle. Alors, je vais virer les chocolats pour l'instant, peut-être. Hop, c'est plus facile. Hop, voilà, comme ça. Là, voilà. Tac, ok. Là, voilà, ça me fait mon tube, d'accord? Donc là, ici, 4 coups de ciseaux. Hein, vous connaissez cette technique, on l'a vu l'autre fois, pour le calendrier de l'Avent. Voilà. Et voilà. Ici, hop, je rabaisse mes languettes. Je viens donc mettre un peu de colle par ici. Hop. Et de la colle sur mon dernier panneau. Voilà. Très bien. Hop. Et donc là, un chocolat, deux chocolats. Très bien. Ils sont parfaitement à l'aise. C'est nickel. Alors, on va bien coller. Toujours trop pressé moi. Et ici pareil, 4 coups de ciseaux, même topo, et on referme notre boîte. Hop, voilà. J'ai oublié de vous dire une chose vraiment importante, évidemment, quand vous achetez des chocolats comme ça, regardez la date de péremption. Ça paraît évident, mais c'est dommage de voir que la date de péremption est peut-être par exemple un peu courte, une fois que vous avez fait toutes vos boîtes, que tout est fermé, etc. Même si, oui, c'est du chocolat, donc en théorie, ça périme pas, blablabla. Je sais pas, moi, ça me mettrait mal à l'aise d'offrir du chocolat périmé, quoi. Donc ici, je vérifie au dos de ma boîte, là, 14 avril 2023. Comme c'est pour Noël, eh ben, on est bon. On est largement bon, ok? Donc voilà, une petite boîte de fête. Et je vais ainsi emballer. Je ne vais pas vous montrer tout ça en vidéo parce que sinon ça ne va pas durer juste longtemps, mais extrêmement longtemps. Je vais donc tous les emballer un par un. On se retrouve quand j'ai toutes mes petites boîtes, ok?
Bien, comme promis, nous voici donc avec nos 12 boîtes, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va se mettre nos messages. Hop, voilà. Toc et toc. Parfait. Donc là, du coup, juste pour rappel, on a donc fait 12 fois 11 par 6,5. Côté 11 cm, on a fait des plis à 3, 5, 5, 8, 5 et 10. Et de l'autre côté, on a fait un pli à 1, 5 et 1, 5. D'accord? Donc ces deux-là. Ok? Donc ça, en fait, c'est vraiment la technique qui peut vous permettre d'emballer tout et n'importe quoi. Je le dis souvent, tout est possible. D'accord? Voilà, donc maintenant, on va commencer déjà à faire nos petites lettres. Donc là, pour le coup, je prends mon alphabet, ma perforatrice. Et on va commencer avec de l'embossage à chaud parce que j'adore ça. Je trouve ça trop joli. Et comme en fait ici, on a des petites bordures d'étiquettes, celle-ci, là, avec les petits points, c'est ma préférée. Et bien, c'est ça que je vais faire. Voilà. Donc, que faire? On va prendre du papier. Alors, quelle couleur? Est-ce qu'on prend du vert ou est-ce qu'on prend du blanc? Je suis plutôt attirée par le blanc parce que je trouve que c'est assez joli. Mais en fait, je vais déjà regarder mon emballage. Quel papier je vais prendre? C'est ça qui va me permettre de déterminer. Qui va me permettre de déterminer la couleur que j'utiliserai. Donc, je regarde un petit peu dans mon papier design. Alors, ce qui fait un petit peu Noël, j'ai ça, qui peut être pas mal. Et mon intérieur est vert, d'accord? Donc là, du coup, j'aurais plutôt tendance à faire mes lettres sur du papier vert en embossage doré. Si je le fais sur du vert en embossage doré, ça fait bien Noël, quoi. On va partir là-dessus. On va se dire que c'est notre plan. On va voir ce que ça donne. De toute façon, rien n'est figé. On peut changer d'avis quand on veut. Du coup, ça veut dire qu'il me faut du papier vert. Et c'est le vert jardin. Je vérifie. Oui, c'est celui-là. Donc ici, on va se prendre... Alors, on n'a pas besoin de prendre une feuille entière. Hein. Si on a des chutes, ce sera très bien. Des fois, quand j'ai des chutes qui sont bien droites comme ça, j'ai tendance à les mettre dans le paquet. Comme ça, quand je viens chercher une feuille, eh bien, plutôt que d'utiliser une feuille, eh bien, je m'occupe d'abord des chutes. Vous voyez? Bon, c'est ma petite technique à moi. Et sinon, j'ai un bac de récup où je mets toutes mes grandes chutes, évidemment. D'accord? Alors, on y va. Ça, je vais le poser par là pour l'instant. Cette barrette-là me paraît pas trop mal. Donc, on va commencer. Ouh là là, mes lettres se sont barrées. Hop. Alors, je vous rappelle. Sur ce set de tampons, certains d'entre vous le connaissent parce que vous suivez mes vidéos chaque semaine et je vous remercie d'ailleurs au passage de votre fidélité. D'autres ne connaissent pas. En fait, Alphabet, donc c'est un set de tampons que Stampin' Up! A sorti dans le catalogue annuel, donc vous pourrez le retrouver. Et en fait, ici, les lettres sont dans l'ordre, d'accord? Donc c'est facile de retrouver ce qu'on veut. Et en fait, quand on a le set de tampons à l'intérieur, c'est le grand bazar. Je vous le montre. Alors, hop. Quand vous recevez votre set de tampons, les lettres sont placées comme ceci dans votre set de tampons. J'arrive pas à m'en sortir pour trouver mes lettres et tout. Un coup c'est à l'endroit, un coup c'est à l'envers. Enfin, c'était trop le bazar pour moi. Pas assez ordonné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié cette page-là, ici. Je l'ai découpée. Et je suis venue la placer comme ceci en dessous mon set de tampons. D'accord? Ce qui fait, hop, voilà, que mes lettres, bon là il est trop haut du coup, sont rangées dans l'ordre alphabétique. D'accord? Donc rien de tel pour bien s'y retrouver. Ok? Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est celui-ci pour venir faire mes petits points en embossage sur mes étiquettes, ok? Donc là, hop, je me prends ça. On va déjà commencer par ça. Ouais, on va toutes les faire. Donc il m'en faut 12, comme ceci, pour mes 12... non, pas 12 d'ailleurs, il m'en faut que 10. Puisque vous savez que ceci, là, il n'y aura rien d'écrit dessus, d'accord? Donc 10 étiquettes. Alors on y va. Hop,
je vais sortir mon pistolet chauffant, celui-ci. Vous connaissez la technique de l'embossage à chaud, mais ça vous fera un petit rappel. Voilà, je n'avais pas éteint, excusez-moi. Voilà, on est presque prêt. Tac, tac, qu'est-ce qu'il me faut? Alors la perfo, on va la pousser, ça on va poser là, voilà, voilà. Très bien, on va commencer déjà par le... Alors moi j'appelle ça le Stamping Buddy, je ne sais pas si c'est renommé depuis. Mais en fait c'est le petit sachet de talc qui nous permet de retirer l'électricité statique quand on fait de l'embossage. C'est une espèce de, ouais, de talc ou de farine. Et c'est vraiment extrêmement pratique pour ne pas avoir de dépôt en fait d'embossage à chaud. Donc on a dit 10 étiquettes, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et une pour l'erreur. Ici. Hop, on va prendre la poudre dorée, j'aurais dû la prévoir avant. Où elle est ma dorée? Non, où est ma dorée? Gold, voilà. Perdu temps bêtement. Donc ici, hop, je viens verser ma poudre dans mon plateau. Voilà, afin que toutes mes étiquettes soient bien embossées, ça m'a l'air pas mal. Parfait. Alors, hop, je vais tout de suite ramasser ma poudre. Voilà. Je ferme mon flacon pour pas faire de bêtises. Voilà, et je pousse ça. Ensuite, je viens prendre ma petite pince, hop, qui me permet de tenir sans me cramer les doigts. Et donc ici, je viens embosser chacune de mes étiquettes. C'est ma pince. Voilà. Voilà, tout est bien embossé, c'est parfait. Voilà, impeccable. Première étape. Voilà, ensuite, ma chère perforatrice. Je vais venir donc découper, je vérifie que ce soit bien sec, chacune de mes étiquettes. Alors, hop, une paire de ciseaux. En fait, je vais peut-être pas les découper maintenant, je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être d'abord faire mes lettres et ensuite je les découperai. Donc maintenant, je reprends mon set de tampons et donc je vais venir tamponner mes lettres. Peut-être qu'il faut que je les fasse une par une. Je réfléchis, hein, désolé. On va peut-être se faire J-O-Y-E-U-X. Voilà, comme ça. Et on aura le Noël en dessous. Alors,
il faut que je sois prête. Donc, je me prépare mon petit plateau. Ça à côté. Ça ici. Et ça, pour l'instant, eh bien ici. Alors, ça, c'est ma poudre dorée. Très bien. Mon argent, je vais la pousser. Je vais la remettre dans son tiroir parce que sinon, je sens que je vais faire une bêtise. Alors, hop. Les étiquettes. L'étiquette du moins en set de tampons, celle-ci j'en ai plus besoin, je vais la ramasser. Comme ça, ça libère mon pad. Voilà. Allez, ça c'est bon. Hop, ici. Donc, joyeux Noël. Donc, nous commençons par le J. Voilà. Je peux jouer avec celui-là aussi et ce sera le O. Hop et hop, très bien. Alors, eh bien, on va peut-être utiliser ces deux-là finalement. Je sais pas trop comment le faire. Tiens, c'est une bonne. Alors, donc voici mon J. Hop, bien centré. Mon haut. Voilà. Dans le plateau. Ensuite, hop, ma petite poudre. Voilà. Ma pince. Et là, j'ai plein de dépôts par contre. J'ai plein de dépôts. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû repasser en fait du. J'aurais dû repasser mon antistatique. Moi, j'ai pas tant de dépôt de ça en fait, ça va. Allez, je prends ma petite pince, je pousse ça. Donc hors caméra, là, je vais faire le haut, d'accord? Bon, ça va, parfait. Donc mon haut est prêt. Hop. Ensuite mon J. Voilà. Alors, hop, avec ma pince, j'essaye d'enlever le surplus. Je le fais aussi hors caméra. Voilà, c'est pas mal. Ok. Bon, alors du coup, on va le faire plutôt là-dessus, quand même. J'aime autant. Alors, on nettoie le gilo. On les range tout de suite à leur place. J'aurais pu faire l'autre haut de Noël tout de suite, mais je préfère les faire dans l'ordre, d'accord? Donc mon Y, mon E, tac, voilà. J'essaye de les mettre bien droit. Ma Versamarque. Alors, Y. Ah, je sais ce que j'ai oublié encore une fois. Je suis têtue, hein. Je dis de le faire et je le fais pas. Vous avez vu? C'est moche.
Voilà. Ça. Y, on a dit E. Hop. Là. Là. Voilà, c'est mieux. Au niveau des dépôts, c'est mieux. Donc là, du coup, hors caméra, je fais ces deux-là. Voilà. Ensuite, on continue. Je pense que faire comme ça, c'est mieux. Alors, un peu le E. Le Y, le U, le X, voilà, petite pince, voilà, alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais les découper maintenant. Hop. C'est là qu'on se rend compte que quand on scrape et quand on a un projet en tête, on n'a jamais assez de place. C'est incroyable, non? On va se les remettre bien dans l'ordre, histoire de ne pas les perdre, parce qu'elles sont bien petites quand même. Hein. Nous avons dit J, O, Y, E, U, X. Et donc maintenant, Noël. Alors... le U rangé et donc nous reprenons le N. Hop. Et le O. On va le faire ici. Voilà. Pince. Hop, toujours hors caméra, je fais les deux lettres. Voilà. Ensuite, on arrive au bout, les amis, on arrive au bout. Je ramasse ça. Ramasse ça. Hop. Alors, le haut rangé. Le N rangé, on part sur le E et sur le L. Voilà. Ici, je ne sais plus si c'est du talc, j'en remets dans le doute. Allez, les deux petites dernières. Voilà.
petite pince. Hors caméra, je vérifie, c'est bon. Et voilà. Bon, on va se mettre un peu d'ordre dans ce bureau. Alors, vers sa marque, c'est bon. On va ramasser sa petite poudre. Ici, c'est bon. Pinceau. Voilà. Profitez hein, avant le 31 décembre de vous acheter vraiment le kit d'embossage. Ça, c'est même si c'est plus dans le catalogue, c'est pas grave, ce sera vraiment, 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 vraiment toujours utile. Ça, c'est l'achat utile que vous achetez une seule fois en plus et qui vous servira pour tous vos embossages. Voilà. Tac. Allez, on ramasse ça. Tac, tac, tac. Le petit sachet qui va bien. Et la Versamark. Voilà. Je recompose tout de suite mon plateau en fait parce que sinon j'ai tendance à me disperser. Et j'aime l'ordre. Voilà. Hop, on va ramasser aussi le pistolet chauffant. Il est plus chaud, donc c'est bon. Voilà. Allez, ouf, je vous donne un peu de hauteur. On ramasse les lettres. Les deux dernières qui traînent. Hop, voilà, on va y arriver. Alors, le L ici et le E là-haut. Voilà. Tac, tac. Ça c'est rangé, ça c'est bon. Il me reste, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? À découper mes lettres, puis à les coller, tout simplement. Alors, hop. J'espère que ce projet vous plaît. En tout cas, moi je sais que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. À mes parents, entre autres. Et je vais refaire ce projet pour ma marraine, puisqu'on a une réunion de lignée incessamment sous peu. Quand vous verrez cette vidéo, bien sûr, ce sera passé. Hein, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Voilà. Hop, ça c'est ramassé, ça c'est ramassé. Et voilà. Ah, ouf. Alors, Noël. Voilà, et voilà. Allez, on les colle. Donc là, colle liquide, hein. On s'embarque pas dans des... Ah, on va peut-être se les mettre en 3D, tiens. Allez, soyons fous. Soyons fous. 3D. Hop, ma pince. Voilà. Voilà, je vais bien centrer. Est-ce qu'ils sont tous dans le même sens? C'est bon. Hop, voilà. Et ensuite, dernière étape de ce beau projet, ça va être de venir créer notre contenant, d'accord? Notre plateau, tout simplement, pour pouvoir ranger nos chocolats. Évidemment, là, j'ai mis Joyeux Noël. Et pour le projet que je ferai donc pour ma marraine, eh bien, je mettrai Merci, par exemple, ou quelque chose d'un peu plus long, Merci Marraine ou Merci Pamela. Voilà, on va voir.
Ça, c'est vraiment l'avantage d'être démonstratrice, c'est que du coup, on a des rencontres de lignée, que ce soit avec la marraine, moi-même aussi, puisque du coup, je suis marraine, donc je fais également des rencontres de lignée, et avec ma sur-marraine, ma grande marraine, on va dire, donc la marraine de ma marraine, qui fait également des réunions d'équipe. Donc c'est vrai que toute l'année est parsemée de moments de fête, hein, clairement. Donc c'est trop chouette. C'est ça aussi, on apprend, on évolue, on a pas mal d'apprentissage grâce à ça. Alors maintenant, je réfléchis. Je veux mettre ceci donc en emballage. Par contre, j'ai peur que ce soit un peu trop souple, trop léger. D'accord ? Donc, je vous avoue que j'y ai pensé parce que la plaque était là. Hein. Je vais mesurer. Donc, on sait que c'est 3,5 et 3,5. Donc, on est sur du 7 cm de longueur, de hauteur, je veux dire. On va se faire une base en dessous. D'accord ? Donc, on est parti sur 7 cm, on dit. Hop, voilà. Et en longueur, eh ben, on devrait mettre un petit peu plus, mais j'ai envie d'utiliser cette chute, hein, bien sûr. Là, le but du jeu, c'est d'utiliser ce que j'ai. Voilà. Alors, je ne vais pas coller les boîtes sur mon support. Je pense que c'est pas nécessaire. On pourrait, hein. On pourrait les coller. Je vous avoue que je me pose honnêtement la question. Voilà. Donc là, je vais créer mon plateau final, d'accord ? Donc du coup, ceci. Donc là, il faut que je mesure. Donc, je me mets toujours dans le bas de ma carte. Hop, dans le bas de mon papier, je veux dire. Donc mes boîtes toutes collées les unes aux autres. Voilà, hop, à zéro. On est sur du 22 cm pile poil. Je suis bien en bordure. J'ai 1 mm de marge si mes boîtes sont bien serrées. D'accord ? Donc 22 en longueur. Alors on note tout de suite. Donc 22 cm sur. Donc en hauteur, on est sur du 7 cm, hein, sans surprise. Voilà. 7 cm. Donc je note aussi. Et en épaisseur, eh bien, en épaisseur, on a toujours notre 3,5, notre 1,5, normalement. Voilà, 1,5 d'épaisseur, d'accord ? 1,5. Donc, maintenant, réfléchissons un peu. On va pousser tout ça. Hop. Ça, donc, ce sera mon petit support qui viendra en dessous. Voilà. Alors, peut-être des petites traces de colle, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, mon crayon a réussi à se barrer. Pardon. Désolée. Donc, hop, je veux que ce soit comme ceci, avec des rebords. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et ici aussi, des petits rebords. D'accord ? Donc, on a dit une longueur de 22. Donc là, c'est facile, c'est 22. Ici, donc, il faut que je me rajoute. Je me rajoute quoi ? On a une épaisseur de 1,5, donc on a aussi 1,5 de hauteur ici. Donc on va se mettre, on va rester sur du 1,5. Allez, on va mettre 1,6 pour avoir une petite marge, d'accord ? On va mettre 1,6 ici, donc 1,6 de l'autre côté évidemment. En hauteur ici, pareil, on est toujours ici sur du 1,6. Hop. Et pareil ici, 1,6. Voilà. Donc là, ça va juste me faire un plateau. Ok ? J'ai pas envie de le recouvrir parce que. Et donc ici, par contre, j'ai oublié de vous dire. Donc on est sur du 7 cm, on a dit. Voilà, et donc ici 22, 1,6, 1,6, d'accord ? J'ai pas envie de recouvrir puisque le but du jeu c'est qu'on puisse voir mon message d'entrée de jeu en termes de cadeau, d'accord ? Donc je viendrai plutôt mettre un papier transparent ici par-dessus, histoire d'agrémenter mon tiroir, d'accord ?
J'ai ça en tête. Allez, papier design. Donc le papier design, il vient de l'ensemble canne à sucre. Sucre d'or, je veux dire. D'accord. Donc du coup, on n'a pas calculé nos mesures. Alors, calculer, donc calculatrice, elle est là. Ici, donc on a 22 plus 1,6 plus 1,6. Ça nous fait 25 par donc 7 plus 1,6 plus 1,6. Ça nous fait 10,2. D'accord ? Est-ce que c'est tout? Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que c'est tout. Ok. Alors, hop, on range ça, on pousse ça, c'est parti. Donc 25 par 10,2. Hop, donc évidemment, on prend une 30 par 30. Hein. 25. Hop, par 10,2. 10,2. 1, 2. Si, oui, c'est ça. Ok. Ensuite, donc sur mes plis, de chaque côté ici, en longueur, je viens faire du 1,6. Donc 1,5, 1,6. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Pas trop. Alors, je me rapproche. Donc 1,5, 1,6 à droite. Je tourne 1,5, 1,6 encore à droite puisque j'ai tourné mon papier. Ensuite, dans le sens de la longueur, on a dit 1,6, 22, 1,6. Donc on commence par du 1,6. Donc 1,6 plus 22, 23,6. Hop. 5 et 6. Et ici, il me reste 1,6. Okay. On marque les plis. Alors, je voulais que ce soit le vert à l'intérieur. D'ailleurs, je vous montre le vert depuis tout à l'heure, alors qu'on avait dit que c'était l'autre côté. Alors, j'ai marqué mon pli de manière très nulle. Ou alors, je l'ai plié de travers. Non, je l'ai mal marqué. Voilà. Et donc ici, 4 coups de ciseaux. Et ici, en fait, du coup, on va venir replier nos rebords tout simplement. D'accord? Voilà. Colle liquide. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Je vais mettre ceci donc dans le fond. Là, j'ai vraiment pas bien marqué mon pli. Hein. Faudrait que je fasse plus attention la prochaine fois. Voilà. J'installe mes petits chocolats. Je suis un peu juste quand même. Ça passe. Allez, on va voir si c'est bien. Et si ça ne l'est pas, ma foi, ben on recommence. Ouais, je suis un peu juste quand même. Je suis un peu juste. Après, bon, le papier est légèrement souple, donc j'arrive à faire ce que je veux, mais ça aurait mérité d'être un peu plus grand quand même.
ça aurait mérité d'être beaucoup plus grand. Un petit 0,5 de chaque côté, ça aurait pas été du luxe. Alors, hop, voilà. Voilà. Bon, je vais le refaire. Ça me plaît pas. Je le refais et je vous retrouve une fois que j'ai les bonnes dimensions. Donc, je vous montre quand même le processus. Donc là, vous voyez, celle-ci était vraiment insuffisante en termes de longueur et de largeur. Donc, du coup, on va recommencer. Non pas 22 cm dans la longueur, mais 23. Non pas 7 cm en hauteur, mais 7,5. Non pas un 6, du moins un 5, un 6 de chaque côté, mais on va mettre carrément 2 cm. D'accord ? 2 et 2. Ok ? Donc cela nous fait hop, 23 plus 2 plus 2. Ça nous fait du 27 par donc 7,5 plus 2 plus 2. Ça nous fait 11,5. Et on recommence notre affaire. Hop. Massicot. Donc 27 par 11,5. 27. Je me mets à plat. Voilà. Par 11,5. Il ne faut pas avoir peur des échecs, entre guillemets. Ça arrive à tout le monde. Et en fait, ça nous permet, c'est pour ça que je laisse aussi dans la vidéo, hein, je pourrais couper tout simplement et vous faire un truc de pro, machin, nanana. Sauf que bah, je ne suis pas une pro, j'ai pas cette prétention là, donc du coup, voilà. Donc là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 cm donc de chaque côté, d'accord? Donc en pli, 2 cm sur mes 4 bords, c'est encore plus simple. Là, je marque bien mes plis, je m'assure que ma ligne de pli est bien dans son logement, parce que je pense que tout à l'heure aussi, c'est ça qui m'a un petit peu perdu, c'est qu'elle était mal placée. Voilà. Ok, donc là déjà on devrait être un peu mieux. Hop, je marque mes plis correctement, je prends mon temps. Voilà. Et voilà. Ici, donc, mes 4 coups de ciseaux. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le vert à l'extérieur et le rayé à l'intérieur. On va rester là-dessus, c'est pas grave, ma foi. C'est quand même pas un problème. Petit point de colle, si ça veut bien. Ah, si la colle même s'y met. Une petite pointe. Hop. Et voilà. Ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Ah, merci. Voilà. Voilà. Okay. L'autre côté pareil. Et on recommence notre étape. Mes lettres ont valsé du coup. Ah oui, hop. Mon petit fond qui est un peu court, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est vraiment juste pour avoir un support
plus... Où est mon Y? Ah ben il est là. Oui, bah oui. Joyeux Noël, voilà. Allez, il faut que je me reconcentre. J-O-Y-E-U-X. Voilà, donc là je suis bien, mes lettres sont larges. Un blanc. Et mon Noël. Et un blanc. Voilà. Parfait. Donc là, maintenant, on peut venir redécorer un petit peu, venir faire quelques petits tamponnages, venir mettre quelques petites choses. Donc là, je vais préparer quelques petites décorations. Et on se retrouve juste pour le collage. D'accord ? Voilà, donc je suis venue mettre des petits éléments de décoration. Alors, d'où viennent ces tout petits éléments ? Eh bien, tout simplement, en septembre, oui, vous a été offert la possibilité, avec l'option paire parfaite, d'acheter les poinçons qui allaient avec le sapin. Je vous en ai parlé. Eh bien, ils sont là. Et regardez ces tout petits éléments-là. Rien qu'en passant ce poinçon-là, j'ai 3 nœuds. Donc voilà, donc en passant les 4 petites barrettes d'éléments, j'avais donc des petits éléments décoratifs. Voilà, des toutes petites choses à passer que j'ai fait dans du métal brossé doré qui était également en promotion. Vous savez, en septembre, sur les semaines des promotions. Voilà, là j'ai vraiment fait carton plein avec cela. Bref, dernière étape de notre super projet. Là, je viens prendre du papier. Alors, prenez du rhodoïde, hein, prenez pas du papier fenêtre, il coûte vraiment trop cher pour ça. On va se faire un tube, tout simplement. Un tube en papier transparent. Et voilà, je rajouterai juste un petit nœud au final et ce sera fini. Donc, on reprend notre emballage. On retourne toujours sur notre base de papier qui nous permet de mesurer. Voilà, donc on est à 23. Donc toujours, quand on fait des petits emballages, des suremballages comme ça, on se rajoute 2 cm. Donc on est sur du 23,2 cm. Et donc en hauteur, nous sommes à 7,5. Donc pareil, on va se mettre 7,7 en fait. Ok ? Donc là, ce que l'on va faire, c'est que... on va se faire donc juste un tube... Donc, sur notre massicot, donc 23,2, on dit. Je réfléchis, excusez-moi. En hauteur, j'ai dit 7,2. Voilà. Donc, c'est 7,7, pardon, excusez-moi. Donc, je commence par faire un premier pli à 7,7. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose à la caméra. Alors 7,5, 0,6, 0,7. Donc là, je me fais un pli. Voilà. Ensuite, on vient faire notre épaisseur. Voilà, c'est ça qui me manquait, mon épaisseur. Donc mon épaisseur, vous vous souvenez, on a fait 2 cm. Donc là, on va se faire du 2,1 de chaque côté. 2,1. Plus 7,7. Pardon. Donc 9,8. 9,8, je dis bien. Hop, je viens refaire un pli. Voilà. Ensuite, on se rajoute encore 7,7. Donc ça fait 17,5. 17,5. En pli. Et on se rajoute une dernière fois 2,1. Donc 19,6. D'accord? 19,6. 5 et 6. Hop. Et ensuite, on se remet 1 cm. De bordure de collage, d'accord. Donc là, je vais aller à 20,5, même si c'est un peu moins de 1 cm, ce n'est pas grave. Voilà, donc là, ok. Et donc, dans l'autre sens, on a dit qu'on avait du 23,2.
Donc là, je viens couper à 23,2. 23, 1 et 2. Et là, je coupe. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai pas coupé ici. Je suis vraiment bête. Allez. Hop. Alors, je retourne sur ma ligne. Et là, je viens couper. Ok. Donc là, hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle. Et je vais bien marquer mon pli, puisque c'est du papier plastique, donc. Donc il est beaucoup plus rigide que le papier qu'on a habituellement. Hop. Et évidemment, vous pensez que la caméra me gêne. Alors, je vais enlever la caméra, excusez-moi. Voilà, donc là on y est. C'est vraiment pas facile à plier. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes doigts j'ai écrasé et ensuite je suis venue avec le plioir pour bien marquer mon pli. Donc là, en tout cas, j'ai mon caisson, on va dire. Donc là, scotch double face, hein, vous perdez surtout pas votre temps avec la colle liquide. Hop. Voilà. Je pense que ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je ferai pas comme ça. C'est que j'utiliserai... vous savez, j'ai un rouleau de papier plastifié transparent. Je pense que c'est ce que j'utiliserai la prochaine fois. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple que le papier rhodoïde. Donc là, hop, j'enlève ça. Et je vais d'abord mettre mon plateau. D'ailleurs, je vais le mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus joli. Hop, c'est un sacré projet, hein. Ouf. Allez, hop, voilà. Donc ça, mon rebord vient comme ceci. Allez, hop, et donc mon papier plastique vient se faxer dessus. Comme il faut, bien, voilà. Heureusement que je ne me suis pas trompée dans mes mesures cette fois-ci. Ouf, et voilà. Voilà, voilà, mon projet est terminé. Ça me fait un tiroir qui coulisse pour mes chocolats. Pas mal, hein, quand même. Moi, je trouve que ça a de la gueule, quoi. Ah, voilà. Bon, et bien, écoutez, cette vidéo prend fin. Enfin, n'est-ce pas? Elle était plus longue que d'habitude, hein, je vous avais dit. Mais c'est vrai qu'on a monté le projet de A à Z ensemble. Et voilà, ça a le mérite de nous faire vraiment un petit quelque chose qui fait très pro, très chouette. Mais encore une fois, soit ce papier-là, vous le prenez beaucoup plus souple, plus facile à plier. Ou bien, ce que je disais, c'est ça, c'est le papier, hop là, les rouleaux comme ceci. Je pense que je mettrais plutôt comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans et que je vais faire un joli emballage. En plus, par-dessus, voilà, avec un petit ruban, ce sera parfait. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et des petites remarques. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je pense que un projet pareil, ça mérite des petits commentaires. Voilà, je vous souhaite de bonnes journées. À bientôt. Bye bye.